mai bună decât străzile bucureștene, cred eu, și în plus un lucru groaznic, intraductibilă. Eu nu pot spune treabă. Am apelat la Șerban Coarsă, a spus eu nu traduc gros. Poezia mea, aceste bucăți sunt de fapt niște proze poetice. O să citesc una dintre ele. Nu e mai bună decât Carla Românească, pentru că nu trebuie ierarhizate. Da, bine. Între ele, iar romanul Străzilor Bucureștiului e o carte foarte zdravă. Da, eu o simt ca o experiență pusă mai profund și mai departe, într-o anume nebunie și într-o anume coerență a unui univers inventat care se bazează pe câteva puncte reale, în sensul ăsta. Și poate că limba franceză m-a făcut să fac aceste. Constantin Avanta, în cadrul festivalului de Printemps de Poet, citește limba franceză. O numéro 3 dans l'impasse d'Amesme, mă chisuiu aici. O clipă, încep întreruperi, luați microfonul ăsta, la altceva să schimbăm bateria. Donc, o numéro 3 dans l'impasse d'Amesme, habite un homme qui se haït. Monsieur Velve Toirembeau croit qu'il est né d'un couple où l'un haïssait l'autre. Monsieur Velve Toirembeau a un chien qui l'aime. Parce que ça le dérange, il lui applique toujours de mauvais traitements. Des coups de souliers, de bâtons, de louches, de bibles. Car Monsieur Toirembeau est croyant, même s'il évite l'Église. La Sainte Écriture lui étant suffisante. Avec les hommes, il est plus indulgent. D'ailleurs, ceux-ci n'aiment pas Monsieur Toirembeau. Il se contente de l'éviter. Monsieur Toirembeau ne prétend pas être aimé, mais être évité, ça l'énerve. Il s'abstient quand même d'appliquer des corrections à ses semblables. Des hommes qui ne se haïssent pas ne méritent aucunement ces coups de souliers, de bâtons, de louches, de bibles. Monsieur Velve Toirembeau aimerait pouvoir s'éviter lui-même, mais il craint une très longue attente. Pour le moment, comme une première étape, il a renoncé à tout miroir. Le matin, dans la salle de bain, un sentiment de soulagement le prend quand il se rase une joue invisible. Paradoxalement, à cet instant, la haine contre soi vient de décroître un petit peu. Évidemment, ça l'énerve et le comble d'une haine plus fière, plus forte. Quand il casse par distraction le flacon d'eau de toilette et que le liquide ruisselle partout, brusquement, il voit son image s'étirant, se dissipant de pair avec la pellicule mouvante, se perdant sur le carrelage, disparaissant englouti pour toujours dans la bouche d'égout. Bon signe pour l'avenir. Et parce que tout à coup, le chien aboie à fendre le cœur, Monsieur Velve Toirembeau se prépare à lui infliger une correction. Mais subitement, un court mais fort tremblement de terre renverse les meubles, les parois, les portes, les fenêtres. Dans l'impasse d'Amesme, au milieu des décombres, Monsieur Toirembeau, sans souliers, sans bâton, sans louche, trône près de son chien mort, les mains seraient sur la Bible, enfin retrouvées, mais hélas, devenues maintenant inutiles pour tout.